Coucou mes petits choupinous d'amour. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que je vais faire mes glaçons au citron. Vu que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé en privé que je vous les refasse, alors je vais vous les refaire. Oui, là j'en ai que 3, c'est ceux que j'ai commandés parce que j'ai le 4e, il a moisi, je sais pas pourquoi. Alors là, voilà, du citron, ça et le moule pour faire les glaçons. Alors, on va vous montrer tout ça. J'espère que ça tient. Ça tient. Alors, déjà, hein, vous savez faire, vous coupez les citrons en deux. Bien sûr, vous évitez de ne pas vous couper les doigts, de précision. Et après, on moule. Alors, moi, je regarde s'il y a des pépins, parce que je voudrais refaire mon truc à citron, un arbre à citron. Vous savez, parce que l'année dernière, j'étais arrivée à faire pousser, mais il n'a pas tenu. Alors, vous faites vos petits jus. Vu que là, on va recommencer à faire boue, bon, par là, il fait gris. Ils n'ont pas de pépins, ceux-là. Il recommence à faire gris, j'espère qu'il va refaire beau. Comme ça, je pourrais mettre dans ma gourde, dans les bouteilles d'eau et tout. De toute façon, j'ai un autre truc esprit pour les citrons. Pour faire les glaçons. Ici, là, il n'y en a pas assez. Voilà. Voyez-vous bien... bien les presser, hein. Par contre, je voulais vous remercier parce que vous êtes des choupinous adorables. On est déjà à 1600. C'est super. Je vois que vous êtes toujours si fidèles. Et ça, c'est super. Je vous en remercie énormément pour votre soutien, pour tout. Vous êtes des amours. Vous êtes beaucoup, beaucoup d'amour. Vous êtes des choupinous d'amour. Alors, par contre, là, il va y avoir des nouveaux trucs parce que ma fille, là, depuis quelques temps, elle mange que des pâtes. Je ne sais pas si vos enfants, c'est pareil. Moi, elle mange que des pâtes, que des pâtes. Elle veut que ça à midi, le soir et tout. Elle veut que ça. Alors là, je sais qu'Angie, son fils, c'est pareil. Moi, je ne sais pas, non pas, je dis les légumes parce qu'elle ne veut même plus les feuilles aux légumes. Les galettes aux légumes, elle ne les veut plus non plus. La viande, j'arrive à l'en faire manger quand je fais quand j'achète, vous savez, les raviolis ou bœuf. Mais là, elle me mange la viande. Mais sinon, non. Et je sais que le petit d'Angie, c'est pareil. Qui ne mange pas de légumes, qui mange que des pâtes. Alors, bon, je lui ai demandé où est-ce qu'elle a acheté ses pâtes. Elle m'a donné le nom du site et elle m'a dit qu'elle les achetait aussi sur Biocop et tout. J'irai voir le mois prochain pour en acheter parce que au moins que ça change quoi. Elle veut des pâtes, mais au moins des pâtes aux légumes, que ça soit mieux. Qu'elle me mange au moins des légumes. Parce que j'ai vu sur son site qu'il y avait pas mal de pâtes aux courgettes ou à la tomate et tout. Je trouve ça super. Alors, bah, j'essayais d'acheter des pâtes pour ma puce. Je vais racheter des pâtes, ça sera super bon pour elle. Vu qu'elle veut que de ça. Je sais pas si vos enfants c'est pareil, ils ont des périodes où ils veulent pas manger, ils veulent plus manger. Nous, un temps, ça a été bon, la viande. Que pourtant, le poulet, elle nous raffolait de ça. Les steaks hachés, elle nous les mangeait et tout. Il n'y avait pas de souci. Et là, non. C'est, elle ne veut plus. Non, je suis en train d'écraser, vous savez, le... ça. Des fois, comme il y a du jus qui se coince, des fois. Alors, je suis en train d'écraser. Alors, voilà, je vais voir si... avec les pâtes, elle va me les manger comme ça. Mieux. Bon, on verra bien. Voilà.
Moi, elle a des périodes où elle veut plus de ça. Elle veut plus rien d'autre que ça. Même le jambon, là, je commence à... ça commence à se compliquer aussi à lui faire manger. Alors, je sais pas, mais bon. C'est pénible. Quand vous savez plus quoi donner à vos enfants à manger. Mais bon, en plus, là, j'ai appris que bon, l'école, elle va reprendre. Comme l'école va reprendre, elle va remanger à la cantine ben, juste 2 semaines. Je sais qu'au moins, à la cantine, elle me mange comme il faut. Bon, quand vous avez fini de mixer, quoi, d'écraser, de tordre, de presser, comme vous voulez, ça donne un petit jus comme ça. Alors, attendez, je vais chercher un plateau, ça sera plus simple pour que je puisse le poser. J'arrive. Voilà, je vais chercher un plateau, comme ça, c'est plus simple à poser. Alors, ce truc à glaçons, il est super. Celui-là, je l'avais acheté sur AliExpress l'année dernière. Parce qu'ils sont fins et les glaçons, ils rentrent dans les bouteilles. Alors, c'est nickel. Je crois que je ne l'ai pas payé bien cher, mais quand je pourrais en retrouver un autre, parce que je n'en ai pas vu dans les supermarchés, je ne sais pas si cette année, ils vont sortir, vu que là, le mois prochain, je vais à Action, je regarderai si j'en trouve un autre comme ça, parce que j'en reprendrai un autre. Et ils sont nickel. Pour laver, moi, je le passe au lave-vaisselle et il n'y a pas de souci. Ah, voilà, je le mets là-dedans pour bien tenir. Le jus, je le fais pur comme ça et je le mets directement dans les trucs à glaçons. Comme ça. Et voilà, regardez. Je vous montre. Bon, j'en fous un peu partout, bien sûr. Ben non, c'est comme ça. Voilà. Voilà, bon, en fait, il y en avait assez. Et après, je mets ça au congélateur. Je vais mettre de côté. Voilà, après, je mets ça au congélateur. Et quand c'est cuit, quand c'est congelé, je le sors de du sac, du truc à glaçons. Et je le mets dans un sac, comme ça, j'ai jusqu'à prendre. Là, le mois prochain, je ferai pareil avec l'orange. L'année dernière, je l'avais gardé, je ne les avais pas trop pressés, je les avais gardés pour faire aussi, je les avais coupés en rondelles ou en petits morceaux. Ça faisait aussi des glaçons de citron, mais bon, là, j'en ai encore de l'année dernière. Alors, je vais pas les garder. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mes astuces de citron, vous le faites ou pas, je crois que ça peut, avec tous les trucs à base de jus... Vous pouvez le faire. Jus de citron, moi je sais que l'année dernière j'avais fait citron orange. Vous pouvez faire avec le pamplemousse. Avec tout, je pense, avec tous les fruits que vous pouvez faire du jus. Et le congeler. Et vous mettez ça dans vos bouteilles d'eau ou en cocktail ou quoi. Ou quand vous avez du monde pour les enfants ou quoi. Ma fille, je sais qu'elle buvait. L'année dernière, je lui sortais un cube ou deux de jus d'orange le matin. Je l'ai mis dans son verre et dans sa bouteille. Et voilà, elle était super contente. Ça l'a beaucoup s'est régalé. Et moi, ça c'est vrai que l'année dernière, quand j'avais commencé à travailler au mois de septembre... Pourquoi j'ai du citron dans les cheveux ? Au mois de septembre, je mettais 3 ou 4 glaçons de citron dedans. Ouais, 2 ou 3 parce que comme vous en mettez trop, c'est assez citronné. Et... ma bouteille d'eau, elle avait goût citron, et voilà, il n'y avait pas de souci de ce côté. C'était super bon. On était bien régalé. Alors, c'est pour ça que là, j'ai dit, on va les refaire. Là, peut-être dans les courses, la prochaine fois, je recommanderai aussi des citrons un peu plus. Comme ça, je pourrais faire un peu plus de jus de citron et de l'orange. Comme ça, on aura des oranges et je ferai des gros carrés. Comme ça, je vous dis, vous mettez au congélateur quand vous avez envie de citron, de jus d'orange, vous faites pas chier, vous prenez et vous mettez dans votre eau, et voilà. C'est vite fait, bien fait, et voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, là, je vais vous tourner une autre vidéo. Je vais faire les livres de ma fille, parce que vous êtes beaucoup, beaucoup à me l'avoir demandé aussi. Alors, je vais aller la faire. Mettre mes citrons au congèle, et voilà. Je vous fais des gros, gros bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, mes choupinous. Bisous.